prends qu'un coéquipier. Ah mais attendez, on peut prendre une capitaine. Oh c'est trop bien, on va changer. Parce que du coup t'as des objectifs du capitaine. Moi l'objectif était de prendre 5 décisions d'attributs réussis, intelligence. Tu vois, c'est pour ça, faut forcer l'intelligence. Là c'est prendre 7 décisions d'attributs réussis, tout type. Une ancienne athlète junior dont la carrière s'est soudainement arrêtée à cause d'une blessure. Aujourd'hui adulte, elle n'arrive pas à se reconvertir dans une vie bien éloignée de son imaginaire. Elle a rejoint le programme afin de reprendre confiance en elle. Oh baby bronco. Soyez amis avec au moins 3 compagnons. Oh. Oh. Gardez l'équipage en vie pendant 30 jours. Oh putain, j'étais à 29 moi. Tapion, merci beaucoup. Megan a passé sa vie à s'occuper de la laverie familiale et de son foyer agité. Maintenant à la retraite, elle a cédé le commerce à ses enfants, elle cherche de nouveaux objectifs. Elle ne s'attend pas à grand chose de ce programme, auquel elle était inscrite sur un coup de tête, mais la vie pourrait lui réserver quelques surprises. Eh, moi je vais prendre elle. J'ai envie de prendre Didi là. Baby président. Non, je prends Didi. Je prends Didi. J'aime bien Didi. Allez, on est parti avec Didi. The Live in Space. The biggest space event. All American citizens. C'est quoi le truc dont l'IA a parlé en boucle? Bah, j'ai pas encore compris. Elle vaut le coup ou pas cette suite? Ouais, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Après, on va voir, mais le premier game, c'était marrant. Oh, ah ouais, mais elle a pas confiance, elle. Tiens, viens là, toi. À la navette! Oh, je devrais peut-être prendre qu'un seul mec. Oh, c'est pas mal les caisses de rations comme ça, là. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça a l'air propre. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ça, ça a l'air bien, ça. La batterie avait l'air bien. Oh, ça, ça avait l'air bien aussi, ça. Attends, là, il y avait des trucs qui avaient l'air bien. Parce qu'on est 3, là. Ah, oh, je suis parti à 3, c'est pas ouf, hein. Non, non, non! Là, il y a 2 trucs à prendre encore à droite. Ah, oh, je vais y retourner, hein. J'ai peu de soupe, mais les soupes, on peut les craft. Faut pas que je prenne un quatrième. Ça, c'est le livre qui était propre quand même. Et ça, c'est une robe. Non, c'est une armure. Oh, ça hurle. Non, je voulais la trousse médicale. Ah, je voulais la trousse médicale. Je me suis retrouvé avec de la merde. Je me suis retrouvé avec full soupe. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Oh, j'ai pris une doudoune, quoi. Quelle idée de prendre une doudoune! Oh, on est un peu déçu. J'aurais pu faire mieux. La trousse médicale aurait mis bien quand même. Mais après, il y a les chaussettes. Si on craft des chaussettes. Bon, on va voir. On va essayer de faire mieux. En tout cas, deuxième game de 60 par sec. Parce que c'est la suite de 60 secondes. Jeu auquel j'ai bien séché, que j'ai bien farm. Pour l'instant, on teste. On teste. On voit. On est sur notre deuxième game. On est donc avec Tom et Emmett, qu'on aimait bien les deux. On n'a pas de gens très forts. Un petit baby aurait pu mettre bien quand même. Et on a Didi. Alors, Didi, c'est une athlète, c'est très cool. Salut, assistant informatique. Astro au rapport. Vous devez être Didi, c'est ça, j'ai le plaisir de vous annoncer que suite aux actions entreprises lors de la fuite, vous avez tout, vous êtes capitaine du vaisseau. Trouvez un site d'atterrissage et contactez le monde extérieur. Ça, c'est le but. Adem Lift, merci pour le Twitch Prime. Bienvenue à toi, mon pote. On est bientôt 1000. Tapez point d'exclamation sub, voir combien vous êtes. Bonne nouvelle capitaine, cette nouvelle regorge de nourriture de survie. Eh, on a quand même pas mal, on a 6-8. On a 8, on a 8. On a 8 petites boîtes. Veuillez contacter l'ordinateur central pour plus d'instructions, il suit au centre de la navette. Voilà, c'est comme si c'était le début. Alors, la scène est à vous, capitaine. Vous devriez donner une allocution qui guidera ce vaisseau et son équipage à travers les étoiles. Vous l'avez préparé, bien sûr. L'équipage vous guette, il est temps de montrer ce dont vous êtes capable. Nous y sommes. Vous allez devoir montrer le genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage. Je suis une capitaine agile. Elle a été quand même... championne, hein, ça a été une athlète, non? Athlète junior, à cause d'une blessure. Maintenant, elle est adulte. Alors, voilà, elle arrive pas à évoluer, la pauvre. Eh, oh, hey, j'ai une combinaison. Fabrication disponible. Ah, c'est plus tard? Ah, donc au début, c'est vraiment juste du pex, quoi. Au début, on pex. 6 plus 1, 8. Elle accepte? Non, parce qu'on en a gagné un. Il y a vraiment moyen de maximiser les runs au début. Mais c'est jamais les mêmes spawns, hein. Jamais discours ne fut plus déterminé et précis, puis pas par un capitaine de l'espace en tout cas. Vous avez parlé de créer les conditions de sa propre survie et de provoquer sa chance. Vous sembliez réellement savoir de quoi vous parlez. Belle performance, capitaine. Tous se sont mis à vous acclamer avant la fin du discours. Longue vie au capitaine. Oh bah ouais, on est bien. Le module de fabrication au fond de la cabine a été activé. Vous devez avoir abordé la question lors de votre formation. Cette machine moderne permet de créer et de détruire. Emmett nous a informé qu'il est ravi de vous avoir comme capitaine. Un bon suceur, toi. Hein, voilà, fidèle. C'est bien. C'est bien, tout ce qu'on aime. Alors. Améliorer, recycler. Moi, direct, je vais améliorer la batterie atomique. Je le sens bien comme ça. Pernet 31, bienvenue à toi.
Pernet, rejoins la Mifa. Eh, j'ai une batterie atomique et tout. On peut être pas mal, là, quand même. Salut, Princesse Aurora. Salut à tous ceux qui arrivent. Parce que sinon, le guide, après, était bien. On va faire la batterie. Comme ça. Ah, j'ai pas répondu ici. Alors, question intéressante, capitaine. Il semblerait qu'il y ait un espace vide derrière un des panneaux muraux. Une salle dissimulée, peut-être. Une planque secrète, il faudrait mieux vérifier. Comment voulez-vous découvrir ce qui se cache derrière ce panneau? Agilité. On est full agilité. On est... C'est la même game que tout à l'heure. Non, on vient de redémarrer une, là, on est jour 2, là. On a compris, on a fait 29 jours. Steam dit produit disponible dans une heure, by the way. Ouais, moi, je joue sur une clé bêta, pour tout vous dire. Hier, j'ai attiré votre attention sur l'espace caché derrière un des panneaux muraux. Vous avez fait votre possible pour y accéder, mais sans succès. Nous ne saurons probablement jamais ce qu'il y a de l'autre côté. Mes calculs indiquent qu'il y a seulement 1% de chance de trouver un trésor, comme une grosse boîte de soupe. Enfin bref, pas de quoi en faire un plat. Batterie thermonucléaire. Bah gros, regarde un peu comment ça valait le coup. T'entends? T'entends un peu la qualité? Ah ouais, bon. Ah, regarde. Mais j'ai plus rien, là. Je fais plus de points, là. Je vais améliorer le manuel. Ah, c'est pas con. Module de fabrication. Faut peut-être attendre pour ça. Peut-être était un peu greedy, là. Ouais. Eh bien, cette nuit devient intéressante. Ah bah, quand tout à l'heure, le briquet, on s'en foutait. Maintenant, c'est ça, quoi. Vous réalisez aussi la présence de quelqu'un d'autre. Vous distinguez une silhouette dans les ténèbres. Elle ne bouge pas mais semble vous fixer intensément. Ah bah tu m'étonnes. Une meuf de mec, et malheureusement il y a des soucis quoi dans l'espace. Capitaine, que faites-vous? Bah rien. On peut rien faire. On est dans une situation, on est bloqué, putain. Il est bloqué. Toujours en service. On verra quand il l'active. On est parti. Alors, je suis pas sûr que ce soit bon pour la santé de rester aussi près de quoi que ce soit à base de nucléaire, mais ok. C'est pas faux. Tu marques un point. Je suis lequel? Moi je suis le capitaine, mais on gère un peu tout le monde. À votre réveil, en fait, si celle que t'as désignée en celui ou celle que t'as désignée en capitaine meurt, c'est terminé. Mais c'est elle. À votre réveil, la nuit dernière, il vous a semblé voir une personne, debout dans le noir, vous fixant du regard. Ça vous a pris des heures pour trouver le courage de vous approcher. Une fois chose faite, il s'est avéré que le mystérieux visiteur était en réalité un vieux inoffensif masque accroché au porte-manteau. Vous étiez tous tellement effrayés, je dois admettre que c'était plutôt drôle. Malheureusement, l'expérience a laissé des traces sur la santé mentale de tout l'équipage. Ça va aller, braves astro-citoyens. Ne dites pas que vous êtes fous, là. À péter les couilles, sinon. Très bien. Personne a faim, personne est fou. Je sais pas ce qui se passe. Capitaine, vous allez bien, ces étranges boutons sur vos bras sont inquiétants. Alors ça, on a déjà connu. Un petit coup de bouquin et on n'a plus rien. En fait, le truc, c'est quand il se passe un truc... Ah mais tu vois, j'ai plus rien là. Je farme plus là. Pourquoi je farme plus? Non, avant, on faisait deux par jour. Il n'y a plus Timmy. Ouais, Timmy, je le kiffais. Hein. Ça aurait été marrant qu'il fasse un lien avec un perso, tu vois, genre. Mais en fait, toi, si t'as pas l'item associé au souci qui se passe, t'es dans la merde, quoi. Jour 5. On veut de l'eau, nous. Ah bon. D'étranges boutons sont apparus sur votre corps. Par chance, vous avez trouvé une solution dans le manuel. Au moins, c'était facile à soigner. Tout ce que vous aviez besoin de faire, c'est de suivre les instructions pas à pas du manuel. Emmett est toujours fidèle. Vous devrez manger quelque chose. Tout le monde a faim. On va tempo un peu parce qu'il s'avère qu'on les a cramés quand même assez vite la dernière fois. Si vous vous ennuyez, vous pouvez vous occuper. C'est qu'un gadget. Ah, c'est le truc d'amaigrisseur là. Ah bah, on peut rien faire. On n'a pas ce qu'il faut. Et on peut toujours pas aller là-bas. Et là, on ferme toujours pas. La vache rapportait peut-être des ressources. C'est possible que l'artefact rapportait des ressources. Hein. Mais sinon, on est dans la merde. Comment on va, Pex? Fais les bouffer, t'as plein de soupe. Non, mais en fait, faut attendre un peu. Là, on est qu'au jour 5, je vais attendre le jour 6. J'attends vraiment qu'il y ait un mort, quoi, tu sais, pour vraiment faire la diff, quoi. Sinon, y a pas assez de plaisir. La récolte ne se fait que sur les planètes. C'est possible. À voir. Vous envoie une image de gros bulldog dans le miroir pour vous effrayer et vous forcer à maigrir. Vous avez fièrement accepté votre condition, votre équipage n'a plus rien à faire à part vous regarder courir comme partout en aboyant comme une folle. Votre attitude n'a pas vraiment inspiré la confiance. Même si cette aventure s'est rapidement terminée, certaines images resteront à jamais imprimées dans la rétine. Et aussi dans mes disques durs. J'ai pour ordre de documenter tout ce qui se passe sur ce vaisseau, pour le meilleur et surtout pour le pire. Ah, il est affamé. Et lui, il est affamé mais fidèle. Tu attends qu'ils ne sont pas en meurtre de faim. T'avais deux artefacts, dont deux de chaque par jour. T'es sûr? Bah comment on... Ah, améliorer. Comment on crée alors? Ah ouais, un petit artefact mais très bien là, du coup, mais il me faut des... Si je tue une soupe, je peux avoir un artefact. Ah mais ça va prendre deux jours. Pour un jour la détruire, le lendemain la refaire. Après si on n'a rien... Et je pourrais en refaire au pire. Vas-y, on va tester. Hein. Au moins, on fait quelque chose, quoi. Alors, votre attention est requise, capitaine. Aïe, je me
tout à fait... Ah ouais, bien éclaté là. Tout à fait anormal, nous captons des transmissions inconnues. Je parviens pas à identifier la source et encore moins le contenu. Peut-être des interférences solaires ou pire, un nouveau type de cryptage soviétique. Nous devrions déchiffrer ces signaux au plus vite. Notre survie pourra en dépendre. Bah, le plus intelligent. Attends, c'est là. Dans la moyenne, mais très agile. Souple, émérite. Bon, c'est émérite, c'est lui, hein. Lui, c'est la recherche des défis scientifiques et tout, on va te foutre dessus, hein. Je vais foutre Emmett dessus, hein. Emmett, c'est vraiment le meilleur, quoi. On valide la décision. On a bien fait ça et tout, et on va attendre un jour de plus pour les faire manger. Les cons. Donne-leur à manger maintenant, s'ils vont devenir faibles et tomber malades. C'est pas con, quand même, hein. Ouais. Meurs de faim. On est en situation de meurs de faim. Tout ce qu'on aime. Capitaine, venez voir, je m'emporte rarement, mais c'est un moment historique pour l'humanité et les IA humaines. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous avons fini par décrypter les signaux. Ok, donc là, c'est le moment, 7e jour, où on reçoit un appel, quoi. Emmett a fait un travail formidable. Il a pu suivre certaines interférences électromagnétiques jusqu'à un objectif potentiel de notre plan de vol. Ah, dans 5 jours, on atterrit. Bon, on va les faire bouffer tous les deux. J'en avais pas 7 un moment, quand même, là. Tu vois, parce que là, il y a marqué 2 plus 1 plus 3, ça fait 6, sauf que là, ça met que 5. J'ai quand même l'impression de me faire baiser avec ça, moi. Commencez à... Allez, craft un petit panda, là, toi. Toujours rien faire, ici. Hein. Le voyage spatial de longue durée présente certains risques pour le bien-être physique. De l'atrophie musculaire à la paresse en passant par les régimes notoires. Vraiment riche en sodium. Je m'inquiète du déclin de la condition physique de tout l'équipage que j'ai pu observer depuis le début de notre séjour. Je vous recommande une série quotidienne de mouvements qui tirent parti de votre masse corporelle. Vous n'avez besoin d'aucun équipement pour ça. Des volontaires pour un exercice. Ah bah Didi. Ah bah Didi, c'est quand même la... Elle était anciennement athlète. On va la mettre dessus. Et on nourrit les deux. Allez, je mets une petite ration pour Didi aussi, comme ça on est bon. Il n'y a pas d'eau dans le jeu. Non. J'attends que le jeu sorte pour Steam, je refresh la page à 24. Ça va ta fille? Bah ça va très bien, ouais. Et bah écoute, le jeu, honnêtement, je sais même pas combien il va valoir, vous me direz. Je passe 6 heures sans manger, je suis à la limite de crever. Bah eux, c'est 7 jours. On a l'artefact. Ah, il est propre. Hein. ETA 4. Emmett reste fidèle, Emmett ne meurt plus de faim. Bon, ils ont faim, mais ils meurent plus de faim. J'en ai filé un, elle? J'en ai filé un, je crois. Ah bah putain, j'ai l'artefact, mais ça a servi à rien. Ah, l'artefact ne sert à rien du tout, hein. Oh, la déception est grande. Oh, la déception est si grande. Je crois pas mes caméras. Une douzaine de pommes de terre viennent de nous effleurer. Vous devez voir ça, capitaine. Ce sont désormais des poireaux gelés par la température du vide spatial qui flottent gracieusement entre nos stabilisateurs. L'un d'entre eux s'approche trop près et explose en une myriade de morceaux luisants tels des milliers de minuscules diamants. Ces patates spatiales font partie de la fête des fermiers de la lointaine planète 4 au choc. Comme l'indique leur transmission, nos patates visent les étoiles. Elle mentionne également qu'ils sont cons, putain, à faire ça. Ils ont une imagination, les mecs. Elle mentionne également une planète sœur, Pomodoria, qui se joindra bientôt à cette célébration. Nous devrions essayer de récupérer quelques-unes de ces domates, mais comment? Petite agilité, hein. Toujours. Hein. Toujours, hein. Agile. Agile, hein. Toujours. Ouais, on a perdu. Tu galères à lire un peu. Bah, en même temps, là, c'est comme si j'avais lu 50 pages d'un bouquin, quoi, si tu veux. Donc au bout d'un moment, oui. Oui, nous galérons. Des tomates festives ont été propulsées dans l'espace par les fermiers de Pomodoria. Accrochés au vaisseau, ils avaient fait des allers-retours dans leur direction tel un impatient yo-yo. Mais essayer de les récupérer à la main était une très mauvaise idée. Il faudra penser à vous entraîner à l'avenir. Vous avez terminé bombardé par les tomates. Oh merde. Une fois rentré au vaisseau, votre combinaison était dans un tel état qu'on aurait pu croire que vous aviez participé à un massacre. Heureusement, il ne s'agissait que des taches de tomates. Mais aucune des tomates en question n'a survécu à ce carnage végétal. Il va donc falloir faire sang. Maintenant, allez vous laver, vous mettez de la sauce partout. Notre trajet n'a pas changé, nous arrivons bientôt sur le site potentiel d'atterrissage. J-3. Oh là, là c'est force ou intelligence. On dirait qu'il y a une erreur. Je suis cassé, réparez-moi, erreur, système, action rapide, erreur, système. S'il vous plaît, capitaine, faites quelque chose, je ne sais pas combien de trucs. T'es en état de marche, agissez vite. Il faut l'intelligence. Intelligence sur... Ouais, mais c'est... Là, en fait, le truc, c'est que tous les choix que tu fais ici, en fait, sont des choix par rapport à ton capitaine. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai 3 d'agilité, 1 de force, 1 d'intelligence, donc je fais le choix de l'intelligence parce que, bon, la force, elle va pas faire grand-chose, quoi. Donc, mais... En fait, tu peux pas faire interagir, par exemple, les maîtres qui est très intelligent dans cette décision. Tu vois, genre... Et parfois, t'as marqué groupe quand c'est en bas à gauche et qu'il y a plusieurs personnes. Donc, tout dépend, quoi. Donc...
tape dessus. Je pense qu'il faut taper dessus. Parfois, c'est des trucs pas très logiques. Hein. On va taper dessus, vas-y. On voit si taper dessus, ça marche. Mais parfois, c'est vrai que c'est des trucs improbables. Eh, on farme pas. Hein. Peut-être qu'on commence... On va voir, mais on farme toujours pas. On farme peut-être dès qu'on est sur le... Dès qu'on est sur... Dès qu'on est sur la planète, on va voir. On va voir ce que ça a donné de taper dessus. Moi, généralement, c'est ma technique de taper dessus. Hein. C'est-à-dire que j'ai un problème par jour, à peu près, technique. Salutations, capitaine. L'erreur a disparu. La réinitialisation automatique a suffi. Je crains que votre salve de coups de poing ne fût pas utile. Oh, c'était cadeau. J'ose même dire que c'était bien plus douloureux pour vous que ça l'était pour moi. Bon, on s'occupe. Vous n'aurez pas à vous surmener comme ça, capitaine. Je vous recommanderais de manger quelque chose avant de vous évanouir d'épuisement. Putain, j'aurais dû réfléchir. Ça fait moins mal. Notre trajet n'a pas changé. Nous arrivons bientôt sur le site potentiel d'atterrissage. Vous êtes affamé, capitaine. Vous feriez mieux de manger un morceau. Ah bah, tout le monde a la dalle. Tout le monde a la dalle, j'ai plus que de soupe. Putain, bah, je vais pas nourrir le mec pas fidèle. Hein. Et putain, j'ai un truc de... Ah, j'ai même plus un point de force. Nous allons bientôt passer à côté d'un objet flottant non identifié. Nous devrons l'avoir sur nos écrans d'une minute à l'autre. Le voilà. Ah non, ça c'est un grain de poussière. Je parle de l'autre point, tout aussi minuscule. Celui-là, c'est un astéroïde à la structure absolument fascinante. Si nous en cassions un morceau, il pourrait probablement nous être utile. Et il projette également de l'énergie. Donc on pourrait également essayer d'absorber notre... cette énergie en utilisant la science plutôt que la force. Hein. Bon, ça bug trop. Désolé, Domingo, qu'au pourri 160p. Ah ouais, merde. Tu aurais recyclé la poussière de la planète. Donc oui, je pense qu'il faut que tu sois sur une planète. Ah oui, c'est ça le truc qu'il nous disait. Je pense que je retape dessus. Ah non, mais on a juste zéro force, en fait, maintenant. Genre, je suis en négatif dans la force. Sous caféine. Ah bah, je vais la nourrir, quand même. Et je vais nourrir lui, hein. On n'a pas le choix. Mais du coup, attendez, faut que je détruise un truc pour manger, là. Parce que sinon, on va crever, quoi. Faut que je mange. Faut que je détruise un truc. Enfin, je vais détruire l'artefact, hein. L'artefact, il sert que dans... Mais du coup, 100%, je vais en avoir besoin juste après. Bon, on le fait quand même. On va faire avec l'intelligence. Ah, si deux fois de suite, ça marche pas, ce qu'on fait. Je comprends rien, ça change trop de 60 secondes. Ah bah ouais, c'est un nouveau jeu, quand même. La pire run. On va voir. On va voir. Alors... Nous sommes passés près de l'astéroïde de cristal pour siphonner sa puissance. Vous avez longuement débattu pour savoir qui allait appuyer sur le bouton. Le plus important, ce que vous a fait rater le moment opportun pour appuyer dessus. Yes! Des bons cons, là! Ça, c'est ce qu'on aime. Yao, bienvenue à toi. Merci pour le Twitch Prime. Toute l'énergie absorbée du cristal est désormais inutilisable. Cette opération est une perte de temps. J'aurais dû mettre un coup dessus, au moins, c'est pas grave. Après, j'aurais pu finir avec un bras coupé, quoi, tu vois. Capitaine, je vous ai dit que j'avais lancé le module fabrication de la navette. Je pensais que les humains pourraient facilement l'utiliser, mais j'avais peut-être tort. Ah, parfait. Ah, mais il nous avait dit ça? Vous n'êtes plus affamé. Vous devriez manger quelque chose. Capitaine. Emmett ne meurt plus de faim. Emmett a faim. Et lui, il... Ah ouais, lui, il est au bout de sa life. Ah bah non, pas encore. Fabriquer. Fabrique de la soupe, toi. Et qu'est-ce qu'il y a ici? La navette fait un bruit de camelot. Capitaine. Un ventilateur au-dessus de du terminal fait un cliquetis et il y a un gros nœud de câble derrière un de ses panneaux. Je vous recommande un brin de nettoyage de printemps. Nous n'avons pas d'échelle, donc aidez-vous d'une des chaises et vérifiez derrière le ventilateur. Autrement, vous pourriez essayer de le défaire. Défaire le nœud de câble. On va faire l'intelligence. On a deux points. L'artefact, c'est peut-être pour le gardien. Pas con, ça. Pas con, en vrai. Merci, Waxy. Et oui, il a renouvelé son sub. Si jamais on vous a offert un sub sur cette chaîne, moi, notamment, j'en ai offert pas mal. Et ben, durant le mois de septembre, c'est que 1$ pour un sub. Donc, re-bienvenue à toi, Waxy. Merci beaucoup. Et à très vite. Et Soussou, qui vient juste de mettre son Twitch Prime. Eh bien, merci. C'est très aimable. Ça fait plaisir. Voilà, il y a Clivess, il est là. Il met son 7e mois de sub. Ça soutient, c'est la famille. Ça fait plaisir. Oh mais satanique! Satanique, il a acheté un Twitch Prime, mais les subs pleuvent! Seulement 1$, mais à ce prix-là, c'est donné. Mais dis-leur, Eldeline, dis-leur. Bienvenue à vous tous, merci en tout cas pour la vague de soutien. Mais hey, y a Never Lucky aussi, qui vient juste de sub avec un Twitch Prime. Bah, eh ben, merci. Eh bien, merci à vous pour tous ces Twitch Prime, ça fait super plaisir. Voilà, si jamais vous oubliez, ça fait toujours plaisir, un petit Twitch Prime qui passe par là. Boum, ça permet de la survie, c'est énorme. Et c'est Norine! Norine Raduit, bienvenue Norine Raduit. Mais il est en train de se passer quelque chose sur le chat, attention! Que se passe-t-il niveau sub? Que vous arrive-t-il? Ça vous a chauffé? On joue à 60 par sec, c'est parti. Margolo, bienvenue pour le Twitch Prime. Je vois des gens qui vont arriver. On va continuer comment ils jouent avec votre cerveau. Ah bah on joue pas avec le cerveau, on joue avec votre argent, là. Vos subs, on joue avec vos vies là. Et le prochain...
Ça part, prochain sub, ça part en mur de Lyon. C'est parti là-dessus. Merci en tout cas, non, plus sérieusement du soutien, ça fait super plaisir. Je vais les lire maintenant parce qu'il y a Vieux Lama, il y a Alexitas, Niwarki, Lost92 et Dracton qui ont lâché un sub en Twitch Prime. Donc merci à vous, c'est vrai que c'est cool. J'en parle de temps en temps sans essayer de trop forcer parce que je veux pas être chiant avec ça. Mais c'est vrai que Twitch Prime existe. Voilà. Alors, vous êtes un membre de l'équipage, vous et un membre de l'équipage avez démêlé les câbles derrière un des panneaux de la navette. Vous avez trouvé trois pilules multivitaminées d'astro-citoyens dans le compartiment des câbles. Ou du moins, ça ressemblait aux pilules que vous connaissiez. À mon avis, c'était plutôt des excréments de souris. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez tous revivifiés après les avoir avalés. Eh ben écoute, nous voilà ravis. Par contre, c'est incroyable là, ce qui vous arrive. Il y a genre vraiment beaucoup de subs. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a Aleway93 qui a sub, il y a Bebop, enfin 9 Bebop, pardon, Greg Lap avec un Twitch Prime, Torchon et Chiffon, Angistou, Aurélien73 avec un sub normal, FZK91 avec un Twitch Prime, Redemaster. Mais bienvenue à tous! Bienvenue mes amis! Je vous préchote avant que ça arrive sur le stream, mais merci énormément! Putain, c'est fou, il y a eu 15 subs d'un coup là! Si vous êtes sage, à la fin, il y aura peut-être un... Oh, il y a une planète. On voit une planète. Il y aura peut-être un petit lâcher de sub de mon côté. Voilà. Tu as pris 23 subs en 30 minutes. Ouais, c'est assez fou, là, ce qui s'est passé. Bah, merci, en tout cas. Ça fait super plaisir. Content que bah, ça vous plaise, ce que je fais. C'est cool. Alors, bon, pour l'instant, je gagne toujours rien. Il faut que je sois sur la planète. Alors, concentrons-nous. Ouvrez grand vos oreilles, capitaine. Nous approchons d'un objet céleste d'une envergure. Un atterrissage est envisageable, mais manœuvrer sur une telle tempête va requérir pas mal d'huile de coude. Loin de moi l'idée de remettre en cause votre force brute, mais il va falloir compter sur votre bonne étoile. Savoir, est-ce que je lance la procédure d'atterrissage? Est-ce que si je dis non, il se passe quoi? Le truc, c'est que j'aurai plus qu'une soupe, donc on va crever. Donc faut quand même aller vivre. Ouais, on va dire oui. J'essaierai dans une autre run. Les gens sont générés sur ton chat. Ah bah ouais, là, c'est... En vrai, c'est difficile de décider à qui donner le Twitch Prime. Quand je kiffe, je sub perso. Bah écoute, ça fait plaisir. J'imagine, moi, c'est la même merde. Hein. Je Twitch Prime, à chaque fois, je suis en mode, ah putain, c'est aujourd'hui qu'il est là. Et je sais jamais quoi en faire. Donc quand j'arrive sur un stream et que je kiffe, je suis en mode, ouais, bah tiens, c'est donné, c'est mérité, c'est cadeau, c'est la vie. Oh, Alcalaclaude95, bienvenue, merci pour le Twitch Prime. Et c'était Odek qui a offert un sub à Alcroze1, bienvenue à tous. Faut payer pour le Prime. Attends, on est à Meutopia. Oh, c'est une nouvelle planète! Capitaine, vous m'entendez debout, capitaine. Vous rappelez-vous de ce qui s'est passé? Vous avez tenté un atterrissage en catastrophe, mais la navette s'est écrasée, capitaine. La capsule est sévèrement endommagée et la console de communication complètement inutilisable. Boum, niqué. C'est fini, ça. Tout n'est pas perdu, mais il va me falloir pas mal de temps pour planifier une méthode de réparation optimale. Armez-vous de patience, capitaine. Pourquoi ne pas en profiter pour faire un peu de repérage? Cette planète marquera peut-être la fin d'une période de vache mec, vous avez compris? Meutopia, vache, d'accord, je sors. Tom est toujours... Eh, c'est incroyable, les mecs te font des vannes et tout, toi tu peux les jouer, pouah! Tom est toujours affamé, vous êtes sévèrement blessé, capitaine. Emmett est blessé, Emmett est affamé. Tom a été blessé. Ah oui, on est quand même dans la merde, quoi, hein. C'est Les violentes tempêtes de cette planète sont plutôt impressionnantes, n'est-ce pas, capitaine? Selon mes radars, il y en a une particulièrement forte qui se dirige droit vers nous. On n'a pas de pelle. Eh ben, on va assumer face à la vie, quoi. Sinowen, merci pour le Twitch Prime aussi. Alors, c'est quand qu'on commence à gagner des petits trucs, là? Parce que là, ils sont tous blessés, tous malades, meurent de faim. Ah ouais, c'est des sales ambiances. Vraiment cool que ça change de planète. Ouais, parce que sinon, ça aurait été pour le coup tout pareil, quoi. Et j'avoue que... Qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle planète, alors? Oh, il y a 4 lieux. Bon, on va regarder un peu. Alors, il y a le marais. Alors, le marais, c'est pas très long. On peut gagner du petit pchit, mais on risque de se faire radier. Il y a la taverne. On peut gagner des petits carrés. C'est sur cette planète que te sert l'artefact. Mais comment vous savez? Vous savez jouer au jeu? Et là, il y a de la petite batterie dans le canyon. Faire attention, parce qu'il pourrait y avoir de... Là, il y a des pieuvres. Et là, il y a de l'herbe. Bon, faut faire gaffe. Hein. C'est glissant. Là, il y a quoi? Ouais, là, c'est un trou noir, ça. Ouais. Classique, go la bouffe. Mais en fait, le souci, c'est que je nourris qui, là? Affamé? Meurs de faim? Meurs de faim. Ah, je vais nourrir Emmett. Hein. C'est dur. Hein. Putain. Est-ce que j'envoie quelqu'un, là? Parce qu'ils sont quand même invalides, quoi. Ah, il y a quand même marqué invalide sur chacun. Tu peux recycler. Ouais, mais du coup, on perd quoi? Le manuel? L'artefact, c'est une vache et la planète s'appelle Meutopia. Ah oui, pas mal. Ils peuvent pas partager la soupe. Sinon, je détruis le manuel. Hein. Ah non, le communicateur, il est pété. Ah bah, il est pété. On va le niquer. C'est bon, parfait. Allez hop, ça dégage. Au moins, on aura de la soupe pour demain. On y va. On y va. Il y aura peut-être... va peut-être y avoir des morts. Hein. C'est possible. Je suis en éco-navette. Jour 14, ça va vite, là. Ça va plus vite que...
Pas de mort. Vous avez sous-estimé que vous n'aviez pas les bons outils pour sécuriser nos vivres. Et à la place, vous les avez vous-même tenus lorsque la tempête nous a touchés. Vous avez essayé de faire attention, mais certaines pièces de notre stock sont tombées et se sont brisées. Par chance, ce n'était que des récipients vides. Vous aviez un œil sur les vivres qui avaient vraiment de la valeur et ne les avez pas laissés tomber. Les dégâts sont minimes quand on pense à la puissance de cet événement. Capitaine, le module d'expédition au fond de la cabine a été activé. Pour survivre, vous allez devoir envoyer régulièrement quelqu'un dehors. Nous devrions explorer les environs avec prudence. Qui sait quels dangers nous attendent? Que la colonisation spatiale commence. Vous devriez soigner vos blessures, capitaine. Tom semble affamé, Tom semble toujours être blessé. Vous êtes affamé, capitaine. Tom semble faible. Je pense que Tom va die. Hein. Je préfère vous en parler maintenant, que ça ne crée pas de... Que ça ne crée pas de, voilà, de soucis au moment où vraiment il va mourir. Invalide. Tout le monde est invalide. Hein. Et comment je fais si j'ai rien? Envoie Tom dehors. C'est vrai qu'honnêtement, sur une petite mission... Oh là, il y a la traque qui a offert des subs à Jean-Bobby et Aragos 59. Bienvenue à vous. Vous pouvez remercier la traque qui est très cool. Et troisième mois pour Oxyelo. Merci à toi, mon pote, d'être toujours là. Alors, si on l'envoie sur une mission très courte, il n'y a pas une mission d'un jour? Attendez qu'on teste. Oh, c'est que du 2 jours. C'est que du 2 jours. Je vais l'envoyer dans le marais. Je vais envoyer Tom dans le marais parce qu'il va die. Comme ça, au moins... Parce qu'on peut pas faire vivre tout le monde. Et je l'envoie sans rien. Félicitations pour le 5. Merci, Pix. Ah bah écoute, Sinoen, si tu passes un bon moment, m'envoie la ravie. Je te le dis. M'envoie là, mais... Tom va crever. Tom va clairement décéder. Mais au moins, on n'aura pas à le nourrir. Voilà. Si vous voulez être mon ami, n'hésitez pas. Quelqu'un de très gentil et je pense aux autres. Notre recycleur d'eau est en surchauffe, mais ce n'est pas le souci car le système est sécurisé. Le problème, c'est que nos minéraux sont entreposés juste en dessous. J'ai peur que le moindre minéral, même une simple trace, fonde ou se mette à bouillir en cas d'exposition à une trop grande chaleur. Ce serait dangereux. Une réinitialisation manuelle. Oh, faut tenter, hein, sinon on est dans la merde. Allez, on tente. De toute façon, c'est le tout pour le tout. Hein. On doit juste dépasser 29 jours. Alors, ça y va, là. Ça part. Adieu, Tom. On peut tous dire au revoir à Tom, s'il vous plaît, le chat. Parce que Tom est parti, voilà, Tom n'est plus là, Tom va donner le max, bravo Tom, félicitations. Adieu Tom. Le manuel du recycleur d'eau homologué astro-citoyen prévient explicitement les risques causés par des jets de vapeur durant une réparation. Vous avez eu de la chance que les jets de vapeur que vous avez libérés n'aient pas aspergé les minéraux ou même encore vous. Ah, oh, on a gagné ça, on a réussi. Oh, on a eu de la chance. Tom a pris la direction d'un marais. Croisez les doigts pour qu'il revienne. Ah, mais on a de la soupe maintenant. Emmett est toujours fidèle. C'est bien ça. Hein. Bien d'être une femme, hein, ça. Garde le côté fidèle, le mec, alors que c'est quand même la merde, quoi. Hein. Enfin, j'aurais été un homme. Après, Emmett a l'air... Oh, non. Nos réserves de soupe ne sont certes pas illimitées, mais nous disposons de vieux appareils scientifiques éparpillés dans toute la navette pour les recherches pressantes. Si vous tenez à gaspiller une boîte de soupe, autant chercher comment améliorer la recette. Les ingrédients énumérés sur l'étiquette sont des tomates, de l'eau et du sel. On peut quasiment y ajouter n'importe quoi pour créer le meilleur bouillon de la galaxie. Ah, mais là, elle est en mort de faim, là. En fait, si genre je grid en prenant pas la soupe pour essayer de faire une recherche et qu'elle meurt, c'est fini. Je préfère la jouer safe. Hein. Mais on a toujours pas de... Vous pensez qu'il faut grid? On grid? Vas-y, on va grid, alors. Oh, mais c'est chaud. Oh, c'est chaud de grid, là. Bon, on grid. Oh, putain, j'ai... Oh, je grid. Y a quoi, là? Bon, on fait une soupe. Ah non, la soupe, c'est... ça a été envoyé. Et si je coche, là? Moi, je me pose toujours cette question, hein. Si je donne la soupe et que je coche... Est-ce que tu vois, on ferait pas 50% on la mange et 50% on fait l'expérience? Et dire qu'à la base, je m'abonnais pour un mois, sortez-moi de cette secte. Oh, Cyborg! Un autre sub! Bravo, mon Cyborg! Merci beaucoup, en tout cas, d'être là depuis tout ce temps. Et ne quitte pas la secte. Non, zéro. Ouais, vous pensez que ça va faire zéro? Tu vas mourir, mais ce sera pour le beau jeu. Oh, moi, je tente. Ouais, faut tenter des bugs, faut tenter des glitches. On est avant tout. Voilà, moi, je suis un testeur de jeux vidéo, les gars. Il y a 3D HD, pardon, je t'avais pas vu, 7ème mois. Salut, coucou. Alors, vous avez été incapable d'améliorer la recette de la soupe à cause du manque d'ingrédients comestibles à bord. Yes! C'est bon, ça! Vous pouvez seulement vous permettre d'être soupe au lait. Dans le cas présent. Hmm. Vous avez extrait toute une gamme de produits chimiques dans cette seule boîte. Certains d'entre eux toxiques, même. Intéressant à savoir. Ah! On a 20 pchit, quand même. On a 20 pchit. Alors, ce qu'il faut... Là, il faut fabriquer full soupe. Full soupe. Et elle est affamée. Gros, ça a marché. Ça a marché. Parce qu'elle était en meurtre de faim. Et lui, il est en meurtre de faim, maintenant. Elle était en meurtre de faim, elle est en affamée. Mais quel génie!
Mais quel génie! Danger, danger, nous sommes victimes d'une intrusion. Le vaisseau est sur le point d'être contaminé. J'active tous les protocoles d'urgence disponibles, mais mes efforts semblent inutiles. Cette contamination est inévitable. Vous devez vous protéger, capitaine. Avant qu'il ne soit trop tard. Oh là là! Si vous cherchez des acteurs pour des petits courts-métrages, n'hésitez pas, les gars, je pars en full armure! Je suis en armure, je suis là! Boum, on n'a rien à donner de façon, donc on n'a pas moyen d'hésiter. Et on est parti, ça a marché parce qu'il n'a pas réussi à faire l'amélioration. Peut-être aussi, mais on a quand même réussi à avoir 20 cheats. Donc, c'est que du bénéf. Hein. Le parrain de l'espace. C'est ça. C'était déconcertant, non? Le vaisseau a été contaminé. Heureusement, votre veste de protection vous a protégé de la contamination. Je vais maintenant initier un protocole de quarantaine pour éliminer toute trace de l'agent pathogène du vaisseau. Puisque votre protection est maintenant recouverte d'une bactérie extraterrestre, j'ai bien peur que vous ne deviez la jeter. Merci de votre compréhension, capitaine. Capitaine? Vous avez dit que j'avais branché le module de fabrication de la navette? Auriez-vous oublié? C'est quoi ça? C'est le truc qui absorbe les... Je comprends pas bien à chaque fois. Ça, je comprends pas ça. Vous devrez vraiment faire quelque chose pour vos blessures, capitaine. Emmett est toujours blessé, Tom n'est pas encore de retour. Je pense que je fais pas assez de choses avec ça. Tom, c'était 2 jours. Moi, je pense que Tom peut quand même revenir. Je tourne un clip dans le 58, Domingo, je t'attends. Et ça part de là. Il est du 58, le Domingo? Alors, pas du tout. Mais bon, je peux me mettre dans votre délire, hein, si vous voulez. Je peux se créer un truc, ouais, Nièvre. 5-8. Alors, capitaine, nous venons de capter une transmission. Si j'en crois mes observations, il s'agit d'un enregistrement qui tourne en boucle depuis des années et des années. Malheureusement, le message qu'il contient est formulé dans une langue étrangère. Heureusement que j'ai le manuel. Je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Ça aurait été bien con. Le prix de 60 par sec sera de 14,99. Oh, honnêtement, si vous savez pas quoi faire, ça vaut le coup. Hein. Ah, ils sont tous invalides. Hein. Ah, lui, il est en meurt de faim, j'avais oublié. Tiens. Comme ça, tu mourras plus de faim. Et je vais créer une soupe. Ouais, je suis en création de soupe. Hein. Ah, ça y va, hein. 19e jour? Combienième? Oh, c'est pas fini là. Quand ça lag comme ça, c'est que c'est pas bon. Hein. Non, pas vous êtes mort. Jour 18. Tout va bien! Hier, nous avons capté une transmission qui tourne en boucle depuis des années. Le manuel, le message était formulé dans une langue étrangère. Vous avez dû utiliser un manuel pour le déchiffrer. Bien que vous n'ayez pas réussi à traduire la totalité de l'enregistrement, vous avez compris que le message parlait d'une ancienne pyramide dont vous avez détruit l'emplacement. Peut-être que cela vaudrait-il le coup de partir explorer cette fameuse pyramide. Pensez-y quand vous préparez votre prochaine expédition. Intéressant. Emmett est en mauvaise santé. Emmett est mal. Hein. Moi, je suis blessé. Ah, mais s'il revient pas, le mec, qu'est-ce qui se passe? L'intérieur du vaisseau, vous avez trouvé un objet à moitié enterré dans la poussière. Vous avez pris quelques instants pour le déterrer et avez découvert qu'il s'agit apparemment d'une boîte de soupe, tenue par une main en pierre. Vous pourriez essayer de la dégager en tirant dessus, abîmer la sculpture au passage, ou juste la laisser et continuer à examiner sur place. Même si ça pourrait être coton. Et en fait, envie de faire tout recouvrir. Alors, on met un coup de force là-dedans. Boum, gros coup de tête là, ça part de là. Eusebius, merci pour le Twitch Prime. Tu vas faire gagner une clé du jeu, tu crois? Ah non, non, moi ils m'ont juste envoyé pour que je teste quoi. Ils doivent avoir un truc de tous les créateurs entre guillemets de contenu et tout. C'est Tom la main en pierre. Oh, j'avoue. Aïe aïe aïe, je suis sub bordel. Ah là là, Eusebius. Eh, mettez des raptors pour Eusebius. Je veux voir des murs de raptors. Des centaines de raptors qui se baladent comme ça, comme quand je joue au foot. Des véritables ratisseurs! Domingo Raptor! Non! Oh ouais! Oh, des centaines de raptors, putain! Oh, il y en a beaucoup, hein! Oh, il y en a beaucoup! Ah, c'est beau, là! Ah, c'est beau, c'est du beau raptor! Voilà, ça, je suis fier de vous, là. Là, je vous le dis, je suis fier de vous! Même avec toutes vos forces! Avec toutes vos forces, vous n'avez pas pu soutirer la boîte de soupe à la main. Mais je n'arrive pas à faire une mission, hein. C'est quand même ouf, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais à chaque fois je clique sur un truc, c'est pas le bon. Il vous a fallu remonter à bord avant qu'une vague de mauvais temps ne touche notre zone. À présent, la poussière et le sable ont sûrement enseveli la chose qui tenait cette boîte. Ce serait une perte de temps d'essayer de la retrouver. Bon, de toute façon, si on avait fait l'intelligence, ça aurait donné ça. Donc c'est très bien. Tom a survécu à son raid à travers le bourbier. Il semble un peu malade. Il a besoin de manger et est en colère. Mais le point central est qu'il n'est pas un double extraterrestre. Enfin, j'espère. Ah, mais il y a Tom! Tom est revenu! Pas un double extraterrestre. Vous pouvez vous écouter avec attention tandis qu'il commence à raconter son escapade dans la boue. Tom a accidentellement ouvert une fleur marécageuse toxique en tapant dessus. Plutôt désagréable et probablement très nocif. Le marais a été chimiquement riche. Tom a récolté plein de composants utiles. Les pires expériences font les meilleures histoires. C'est une bonne chose que Tom soit de retour au bercail. Vous êtes affamé. Ah mais il faut manger mon petit chat là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, tu me grailles ça? Je pars directement en création de soupe.
Crason soupe. Mais tu vois, du coup, est-ce que j'améliore le manuel? Pourquoi je ne farme plus? On a besoin d'aide, hein. Pourquoi on ne farme plus, là? Je farmais la game d'avant. Je ne farme plus. Ça fait très mal au cœur de ne plus farmer. Hein. Ouh là là. Je sais pas. Ma sœur qui m'a envoyé, je pense qu'on détient la photo du mois, monsieur Bizot. Ouh là là. Qu'est-ce qu'elle a foutu, elle? Invalide, affamé, faible. Améliore le manuel. Moi, je pense qu'il faut améliorer le manuel. Hein. Parce que le manuel... Sur cette planète, tu ne farmes pas ou tu n'as pas l'événement pour. Tu as changé la difficulté. Ah. Oh, mais j'ai pas ça. J'ai pas les objets pour, donc je peux juste rien faire. Tom, Rip, t'as nourri le capitaine. Ouais, mais les deux meurent de faim. Et malheureusement... Lui, je pense qu'il va mourir, mais... Déjà, la dernière fois, il était mort suite à l'expédition. Nourris Tom. Non, Tom... Parce qu'en fait, si Tom meurt, c'est pas grave. Si mon capitaine meurt, c'est fini. Voilà, en plus, il survit. Le mec est fantastique. Le gars, il a un level, quoi. C'est parfait. Nouvel objet, manuel réédité. Emmett semble toujours être en mauvaise santé. Ah, mais on a rien. Il devrait manger quelque chose. Il ne semble plus affamé. Tu vois, là, il est juste affamé. Là, on est en meurt de faim et faible. Là, on est en meurt de faim... Faible, mais fidèle. Est-ce qu'on nourrit Tom? Est-ce qu'on nourrit Emmett? Des questions se posent. C'était où? On n'était pas censé avoir la statue ou une connerie comme ça? Il y avait un truc de statue là, un moment. Vous vous souvenez pas de ça? Il y avait pas autant de points, il n'y en avait que 4 tout à l'heure. On a découvert un nouveau point. C'est pas la pyramide? C'est la pyramide, je crois. Oh là là, attention, parce que là, il y a... les risques, c'est qu'il y ait des fougères. Qu'il y ait des... mais c'est un truc de Satan, ça. Les risques, c'est qu'il y ait des fougères et des rituels sataniques, putain. Tout ça pour récupérer des pchites, quoi. Ah, c'est... Bon, bah alors... On va envoyer Mehmet, hein. On va envoyer Mehmet, on nourrit Mehmet, on l'envoie. Allez, on envoie Mehmet, hein. Mais Mehmet, je pense qu'il va d'ail, hein. Ah, Mehmet, je pense qu'il a pas les couilles qu'il faut, lui, hein. Pff, ça me fait chier de l'envoyer avec un truc, hein. Ah, je sais pas si je le nourris, lui. Parce que je pense qu'il va mourir, l'autre, sinon. Ah, je l'ai nourri pour ça, c'est gâché. Hein. Capitaine, caractère sexe, une compagne, slash un compagnon. De bord a repéré un fruit bleu, parcouru de veines qui poussent depuis une fissure dans le sol tout près. Il pulse légèrement. Quelqu'un veut-il le goûter? Est-ce que là, par exemple, si je dis non, prenez une décision. Ah, tu vois, t'es obligé de le goûter. Parce que là, le fruit bleu, je pense que c'est fini, quoi. Le fruit bleu, on l'a déjà eu tout à l'heure et on est obligé de répondre. Ah, je vais mettre Tom. Hein. Tom était déjà en décès, donc... Dylan, bienvenue. Bienvenue, mon Dylan, merci beaucoup. Donne à Tom, il a faim. Ouais, mais les deux, on s'en meurt de faim. Et lui, il va bouffer le champignon. Donc ça va un peu le nourrir et il va die. Mais par contre, Emmett, il se nourrit pour sortir dehors. Donc déjà lui. Et je vais faire une petite soupasse. Au passage, dès qu'on peut, petite soupe. Et boum, ça part, 22e jour. Eh... Sacré, hein. Du coup, c'est Dylan ou Dildehen? Dylan? Demi, tu penses quoi? Doug Bill devrait faire un régime, je trouve pas. Je pense que chacun devrait un peu plus s'occuper de son cul, quoi. Vous avez annoncé que le fruit étrange près d'un vaisseau valait la peine d'être goûté et la main de Tom s'est levée immédiatement. Malheureusement, l'expression de joie sur son visage... Ah, mais ça, on l'a eu, ça, déjà. Lorsqu'il a planté ses dents dans le fruit, l'autre moitié grouillait de vert mauve. Ah bah ouais, mais du coup, tu vois, à partir du moment où on peut pas le prendre... Certes, capitaine, je vous dis que j'avais lancé le module fabrication de la navette. Je vous recommande d'utiliser la machine. Et mettre après le chemin de la pyramide. Mais ça, c'est quoi le module de fabrication de la navette? Je vous recommande d'utiliser la machine. Il faut qu'on trouve ça. Hein. Je vais cliquer sur tout, là. Tom. Il est mort. Ah, mais module de fabrication, en fait, c'est ça, quoi. En fait, depuis le début, c'est la même chose. Mais juste, on ne peut pas pex, quoi. Je suis désolé, les gars, je... Bah, excusez-moi de vous faire chier, mais juste, je ne peux pas pex, quoi. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est le pex. Est-ce que je ferais pas une soupe, là? Pour ensuite... Décrafter une soupe? Pour ensuite... Faire autre chose. Bien.
J'ai trouvé quelque chose d'intéressant à la surface de la planète. On dirait que quelqu'un a passé son temps à jouer à une mauvaise... à une version géante du jeu du Morpion. Mais n'a jamais terminé cette partie-là. Les pièces du jeu sont des minéraux qui pourraient nous être utiles. Maintenant, je ne suis pas du genre à gâcher le plaisir d'autrui, mais un coup d'œil à la grille suffit pour connaître le gagnant. Donc j'imagine qu'ils ne nous en voudront pas si on se sert de leur X et leur 0. Venons prendre la liberté de ramasser ces pièces. Oui. Il faut prendre des risques, là. Sinon, c'est fini, là, le jeu. Là, on est en soupe. Ensuite, on fera les trucs. Là, on va garder. Il y a Emmett qui est parti. On a déjà un mort. Il faut aller, là. Il faut sortir les doigts, là. Sinon, c'est fini. Jour 22. Oh, démantèlement de la partie en cours du Morpion. Oh, succès ! Putain, on n'a pas eu beaucoup de succès dans 20 petits blocs, là. Ils étaient... Emmett, elle est où ta caisse ? Oh, j'applaudis. J'applaudis Tom Tom sur le chat qui a vécu une référence incroyable. Hey dude, where's your car ? Incroyable, je sais même pas si c'est ça en anglais, je m'attends en français. Je voulais faire le mec. Allez, ils étaient un peu lourds à transporter jusqu'au vaisseau énorme tout ça, mais vous en êtes merveilleusement sortis, ça leur apprendra à laisser leurs jouets par terre ou à la surface de la planète dans le cas présent. Je ne pense pas que ça gênera qui que ce soit. Emmett n'est pas encore revenu de son expédition. Ah, j'ai de la soupe au moins. Et en plus j'ai des petits pchits, ce qui fait que je peux direct fabriquer... Ah, j'ai envie de un petit communicateur, je pense qu'il va y avoir un moment de communicateur là. Je le sens. Putain, un peu d'adhésif, on aimait bien. Au cas où vous vous demandez pourquoi, écoutez, donc j'ai trouvé un distributeur de nourriture à bord. Oh, il manque juste un levier pour faire ça. Et j'ai pas. Le défi des 30 jours, c'est pas avec Didi. Non, nous, le défi de la... Objectif actif. Trouver un point d'atterrissage, si c'est un guide. Explorer la pyramide. Attendez les instructions. En fait, ils te mettent des objectifs et tu dois les faire. Et prenez cette décision d'attribut réussi. Ah bah, je crois que j'en ai fait une ou deux déjà. Allez, on est parti. Go artefact. Ah, j'en avais refait un et je l'avais redélète en fait. Ça servait un peu à rien. Jour 23. On se rapproche. Hein. Oh la vache. J'ai organisé un vote pendant votre sommeil et je l'ai emporté 1 à rien. Distriage veut dire la machine devrait s'en aller. Elle me rendait dingue avec sa programmation limitée à ses constants besoins de nourriture. Vous n'avez rien à regretter non plus, elle ne vous donnait pas votre ration de soupe. En regardant par les hublots, vous pourriez lui adresser un dernier adieu en la voyant flotter dans l'espace. Bien sûr, si l'assortiment de machines qui se trouve dans cette navette ne vous plaît pas, vous pouvez remplir le formulaire de plainte. THX 1138. Vos objections seront prises en considération dès que vous aurez rejoint la planète Terre. Espèce d'individu sans scrupules. Vous devriez soigner vos blessures, capitaine. On ne peut pas enculer. Vous êtes affamé, capitaine. Un bol de soupe ferait du bien. Vous êtes faible. Merci. Hein ? Proxima ? Merci, Kerumen. Pour le 13e mois parmi nous. À fabriquer. Bon, là, par contre, on peut fabriquer le petit artefact. Parce que je pense que c'est bien. Capitaine, il paraît que les espèces qui ont vécu ici, en des âges anciens, adoraient une idole de vache. Putain. L'iconographie bovine est omniprésente. On va faire ça, parce que ça va être bien d'avoir la petite artefact pour la planète des vaches. Cette chose doit bien avoir un avantage. Bon, bah, on y va en agilité, hein. Et on tente. Va falloir que tu reviennes aussi à Emmett, hein. sinon c'est finish. Hein. Parce qu'on va dépasser le 30e jour, on va battre leur corps. Jour 24. Oui, monsieur! On apprécie, monsieur. Vous avez testé votre forme physique avec le Tortillotrompe 5000. Et disons que vous aurez essayé. Vous avez suivi l'appareil de fitness bovin sur son parcours lent dans la navette avant de renoncer pour de bon. Hélas! Les avantages d'un tel appareil ne se font sentir qu'après avoir suivi toute la séance, et vous ne l'avez pas fait. Ni la sueur, ni la fatigue, ni la saleté n'ont amélioré votre forme. Emmett a survécu à son voyage dans la pyramide. Il semble faible, avoir faim et à bout, mais notre plus grand soulagement, c'est qu'il est encore en un seul morceau. Vous écoutez attentivement tandis qu'il commence à décrire son incroyable périple. Emmett a pu voir des films holographiques représentant la chute de ce monde. Il se sentait de plus en plus traumatisé après chaque scène, jusqu'à ce que la douleur devienne trop lourde à supporter. Les gardiens de la pyramide se sont réveillés et ont essayé de transpercer Emmett avec leur lance. Oh, mais les gars, c'est des sales types, hein. Tout ce qui est hospitalité et tout, que dans Pékin Express. Il a réussi à échapper au monstre de pierre, non sans quelques blessures. Emmett a trouvé une ribambelle de produits chimiques dans la salle d'embaumement. Plus 21 shit. Durant l'exploration de la pyramide, Emmett a découvert une vaste chambre d'autrefois utilisée pour les rituels. Sur l'autel, il y avait une tablette de pierre couverte d'inscriptions extraterrestres. Emmett a rapporté la tablette avec lui. Je peux la traduire, capitaine, mais ça prendra du temps. Bien ça. Quand Emmett a atteint le sommet de la pyramide, il a vu trois tours à l'horizon, chacune comportant un symbole astrologique différent. Il serait judicieux d'aller les explorer. Quelle aventure! La pyramide était dangereuse, mais Emmett a survécu. Vous restez en mauvaise santé. Emmett n'est pas encore revenu de son expédition. Petit artefact, on n'est plus affamé, vous devrez manger quelque chose, je vous annonce que Emmett est devenu chèvre. Oh, il est dingue. Et toi?
Ah, toi, t'es pas très... pas au top, hein. Pourquoi 60, c'est plus dans le bunker? Parce que c'est un nouveau jeu. Eh oui, mon ami. Du coup, ils ont voulu innover, j'imagine. Parce que sinon, tu vois, ils auraient refait un 60 secondes dans le bunker à nouveau. Ça aurait été un peu chiant, ça aurait été la même chose, quoi. Elle se déplace vite. Alors, j'ai capteur d'une tempête, mais elle est plutôt violente. Tonnerre, éclair, bourrasque. J'aimerais suivre de près la tempête pendant la nuit, mais ça requiert mes capteurs restent sur batterie. Car il est contre-indiqué de laisser tourner le réacteur général pendant une tempête. Que voulez-vous faire? Eh ben, on a pensé à cette petite batterie qu'on a déjà améliorée. La tempête, elle va passer tranquille, ma gueule, ça je te le dis. Alors, recycler. Oh, on a 26 pchit. Parfait, boum. Et on farme plus, hein, sur cette planète. Mais au moins, on craft. Ce qui est plaisant. Pourquoi 60 secondes, c'est plus dans le bunker? Ne force pas quand je donne une réponse, quand même. Hein? Essayons de tous aller dans la même direction. Parce que sinon, ça va être difficile. Vous avez fait tourner les capteurs météorologiques durant la tempête. Elle s'est déplacée vers le sud et vous avez échappé au pire. Au petit matin, elle était déjà partie. Oh, j'aime l'odeur après la pluie, pas vous? Vous avez passé la matinée à inspecter les piles de débris, mais il n'y avait quasiment que des objets trempés inutiles. Vous avez quand même trouvé un briquet. Capitaine, je vous dis que j'avais branché le module de fabrication de la navette. Je pensais que des humains pourraient facilement utiliser. Mais j'avais peut-être tort. Parce qu'en fait, on fabrique rien. C'est peut-être... Si je fabrique full soupe en plus. Fabrication terminée, mais qu'est-ce qu'il me dit? Ça veut toujours être faible. Semble encore être fou, toujours être de mauvaise santé. Ah, il va falloir une expède. Oh, il y a tellement de nouveaux lieux. Tour lune. Pyramide. Tour soleil. Ah, ça va être chacun des éléments. C'est du pchit, ça. C'est dur ça. C'était le même message que tu l'as lu deux fois, le pauvre. Non, non, c'était juste. Je lisais le mec de Westphal et ensuite. Ah non, quand même. Ça fait quelques années qu'on est dans le stream, on s'habitue. Bon, attendez, parce que si je veux fabriquer, qu'est-ce qu'il me faut? Parce que sinon, je suis dans la merde. Système de navigation. Il faut qu'on se barre un moment, on va pas rester sur cette planète de merde. Faut qu'on se casse. Comment, qu'est-ce que je peux fabriquer? Fabriquer de l'adhésif, c'est nul comme vie. Faut que je fabrique... Faut que j'ai des batteries, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'il faut que j'ai des batteries, moi. Ouais, faut que j'ai des batteries. Je vais refaire une soupe. Et... Il faut que quelqu'un parte, hein, à la recherche de batteries. Hein. On va faire l'exploration pour les batteries. Hein. Ah, parce que le capitaine ne peut jamais y aller. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre plus de gens. Ah, parce qu'il est fou. Oh, mais comment on va le soigner? Capitaine, j'ai un nouveau sujet. J'ai du nouveau sujet de la tablette de la pyramide. Bien qu'écrite en langue extraterrestre, je pense avoir trouvé un dialecte terrestre avec une structure similaire. Cette révélation pourrait être la clé pour décoder la tablette. Si tout se passe comme prévu, je pourrais être en mesure de vous la livrer à la traduction demain à la première heure. Bon, bah parfait. Du coup, on craft juste, on fait rien, on nourrit pas, et on va à la suite. Allons-y. Va quelque part avec la vache! Je parle bien de la vache! Donne l'artefact au mec qui va faire l'expédition. C'est pas faux. Je me réjouis de vous annoncer que la traduction de l'ancienne tablette est terminée. Elle parle d'une vieille légende. Ce monde était jadis un paradis luxuriant peuplé par des extraterrestres intelligents et extrêmement évolués. Ils ont vécu pendant des millénaires, ne vieillissant jamais, jusqu'à ce qu'ils décident de partir vers les étoiles. Avant cela, ils ont rendu la planète stérile afin d'éviter que d'autres colons s'y installent, dans le cas où ils voudraient revenir. Cependant, la légende dit aussi qu'il existe un moyen de ramener la vie sur la planète. Le texte devient vague à partir de là, mais il parle d'une prophétie qui doit être accomplie pour que le noyau de la planète soit activé. Le cœur du soleil doit être embrasé. La lune doit être nourrie par le fruit de la terre. Par le fruit de la terre. Attends. Le cœur du soleil doit être embrasé, la lune... Ah mais c'est les tours là, non? Les gens doivent ramener la vie sur la planète. Le texte devient vague parce que là, une prophétie. Le cœur du soleil doit être embrasé, la lune doit être nourrie par le fruit de la terre. Un objet de culte doit enflammer une étoile. Est-ce que l'artefact c'est un objet de culte? Parce que sinon, on peut envoyer soleil et briquet. Si on amène un briquet dans la tour du soleil, on est bien. On embrase. Mais l'artefact, je pense que c'est un objet de culte, l'artefact. Ça ressemble à une sorte d'énigme. Mais vous êtes futé. Pour une humaine, en tout cas. Je parie que vous l'avez déjà résolu. Tu nous connais, putain. Toi, tu passes souvent sur la Domingo Télévision, je vois. Emmett ne peut plus être considéré comme fidèle. Emmett est reposé. Emmett est affamé. Emmett ne survivra pas sans soupe. Le souci, en fait, c'est que si Emmett est dead, je ne peux rien faire, parce qu'elle ne peut pas sortir. Je m'inquiète pour Emmett. Il a souffert de vifs cauchemars durant les quelques nuits qui ont suivi. À son réveil, chaque matin, il se plaignait d'une chose appelée « Shtulum ».
tout émeut. Il se tape des délires. Lui en joyant de la vénérer. Depuis qu'on a atterri ici en catastrophe, je n'ai pas arrêté de capter un signal intelligible en provenance des ruines. Il pourrait jouer sur vos ondes cérébrales et en particulier sur vos subconscients en induisant des émotions négatives. Je voudrais voir si la pensée positive peut bloquer le signal. Qui veut tenter en premier? Ah bah quelqu'un qui va bien. Du coup. Limite. Tu vois. Ah non, attends, je peux craft des trucs ou pas là? Ouais, je peux plus rien craft moi. Bah c'est la fin là. Emmet, c'est mieux. Ça se dit que Toulou. Ah, ça se dit que Toulou. Emmet, ça va le guérir. Vous pensez? Pas forcément, il est peut-être fou, heureux. On s'en bat les couilles, en tout cas, il peut plus faire d'expédition. Qu'il soit heureux, pas heureux, ça, je m'en branle un peu, hein, de ça. En utilisant des émotions négatives. Je sais pas si la pensée est positive. Non, pour moi... 40 jours à tenir encore MDR go Emmet. Ouais, c'est qui tout double quoi. Non, parce que le signal. En fait, si on met la pensée positive, ça peut bloquer le signal. Ce qui fait que s'il n'y a plus le signal, il n'a plus les cauchemars. S'il n'a plus les cauchemars, il va mieux. On envoie elle. Il faut des pensées positives. Moi, je suis à la lettre. Il va mourir, faut qu'il mange. Je l'ai pas nourri. Oh non. Oh le coup dur. Si, je crois que je l'ai nourri. Oh, ça ferait chier que non. Oh, ça ferait chier que non. Bon. Bon, bah, dommage. Hein. Je pense que j'ai oublié, du coup. Je pense que c'est assez évident pour dire que j'ai oublié. Voilà. Vous avez tâché de penser à des choses positives. Les effets du signal, ça a quasiment résolu le problème rapidement. Les cauchemars ont cessé. J'ai décodé le signal, c'était une annonce pour un vieux feuilleton radio. L'appel de Cthulhu. Cthulhu. Toulumo. Les publicitaires ont tenté de copier l'intrigue de l'histoire où un monstre bovin innommable rend les gens fous dans les rêves. Malin, non? Vous restez blessé. Vous êtes affamé. Emmet est mort. Ah, mais il est mort de ses plaies! Oh, la vache! Ah, mais elle aussi, elle va mourir. T'es en meurt de faim, toi? T'es en meurt de faim. Ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il te faut. Un adorable vieil homme ressemblant à Charles Darwin frappe. Oh, c'est la fin. Oh, on est en fin du game. Attendez, je vais recycler des trucs parce qu'il nous faudra de la soupe, là, bientôt. Ah mais après s'il y a besoin d'un communicateur ou quoi. Ça se prononce Toulou. Ok. Il a quand même pris sa soupe avant de mourir. Non mais il a une belle mort hein. Ça c'est quelque chose, on reviendra pas dessus hein. Mais très belle mort. Honnêtement là dessus on a senti il s'est épanoui quoi. Jour 28. Oh la vache. Un druide prédateur darwinien vous retenait. Non mais je pense que... Moi je pense juste que c'est buggé et qu'on peut pas aller au-delà du 29e jour. Ah, on peut plus aller en exped. Vous avez maudit haut et fort la faiblesse de votre corps humain tout en essayant de vous débattre. Le droïde s'est arrêté vexé. Le corps humain n'est pas faible, c'est une merveille de l'évolution. Avec une rage fervente, le droïde s'est mis à prêcher au sujet de l'évolution. Vous êtes rapproché du sas puis l'avez poussé dehors au milieu de sa leçon. Vous êtes en sécurité mais le discours du droïde vous a inspiré des idées noires. Êtes-vous apte à survivre ou êtes-vous le maillon faible? Vous ne semblez plus affamé. Vous avez complètement perdu la boule. Terminado. Je pense qu'on va niquer le communicateur. Il nous faut de la soupe à un moment ou à un autre. Putain, non, stop. Ça, McCormick. Bah non, attends, parce que j'avais le communicateur là. Il est là. Non, je le nique pas du coup. Oh, parfait. Yes. Heureusement que j'ai pas fait le truc d'avant. Merci pour ce 19e mois, même si on a plus, c'est vrai. Bah écoute, Miachou, merci à toi surtout. Merci à toi d'être toujours là et d'être parmi nous. Capitaine, sur mes calculs, nous devons nous attendre une légère tempête de sable. Vous pouvez peut-être trouver quelque chose qui nous sera utile pendant cet événement en fouillant dans notre inventaire. Bon, on va tenter, hein. Communicateur, il faut tenter des bails, là. Mais du coup, est-ce que je tenterai pas de délaiter un autre truc? Parce qu'il me reste plus qu'une soupe. Tu vois? Un petit manuel? Parce que la vache, là, m'a l'air bien. Le manuel m'a l'air useless, hein. Je pense qu'on va craft le livre, après. C'est con, j'aurais dû le faire, déjà. 29e jour. Oh, me dis pas que je crève encore 29e jour, c'est une malédiction. Mais putain! J'aurais fait exprès, j'aurais pas pu, quoi! Eh bien joué, mais ça, c'est improbable, ouais. Le truc! Tom restera mon héros. Oh non, mais je me tape deux games, ça dure 2h30, j'arrive pas à faire un putain de jour en plus! Ah ouais, là, je... Ah, je souffre. Tom restera mon héros, merci Sangar.
Oh, on est extrêmement déçus, putain. Mais en fait, faut en emmener 4, hein, je pense. Hein. Je pense qu'en emmener 4 est bien pour les expéditions et tout. Et ensuite, t'envoies full expédition. Alors que la tempête approchait de la navette, vous avez pris notre communicateur pour profiter de cette opportunité pour en savoir plus sur les étranges transmissions qui suivent cet événement climatique. Les temps que vous avez passé à déchiffrer les effrayants murmures, les étranges énigmes sur les ondes n'ont pas seulement affecté votre santé mentale. Vous n'en avez pas appris beaucoup, mais vous avez payé le prix de votre curiosité. Capitaine, j'ai dit que j'avais allumé le mode de... Oh bah non, mais ça c'est fini, le module de fabrication. Les blessures étaient trop graves. Non mais moi je... Oh là là, ça fait chier. En plus c'est cool parce que ça change à chaque fois. Nomi ! Merci pour le sub, Nomi ! Bienvenue à toi, Nomi. Bien joué, Sam McCormick. Belle utilisation de la doudoune. On s'en est servi pour sortir l'armure. Faut le kit médical. Ça me rend ouf, le jeu est toujours pas sorti. Il va sortir là. Il est 20h48 le 18. Normalement, c'est censé être aujourd'hui. Ils sont peut-être en galère. Je verrai. Mais non, je pense que prochaine fois, j'essaierai. Après le Kameto 30, le Domingo 29. Je pense que prochaine fois, j'essaierai de pas aller sur la première planète. Parce qu'à chaque fois, ils nous proposent d'aller sur la première planète et souvent, on se crache. Là, tout le monde a été blessé à cause de ça. Hein, ce qui a fait qu'on n'avait rien de médical, donc on a été niqué. Je pense qu'il faut le kit médical à peu près, assurément. Niveau soupe, on est bien. Je pense que je peux gratter plus de choses au début. Mais bon. Alors, je comprends pas le but du jeu, crafter 2-3 trucs et attendre de mourir. Le but du jeu, en fait, est d'essayer de faire au mieux pour survivre. Là, le truc, c'est que c'est les premières games. Normalement, tu survis vers 50-60 jours. Ce qui fait que là, on n'était même pas à la moitié du jeu, tu vois. Mais c'est le début, le jeu vient de sortir. Donc moi, je suis sur une version bêta, donc on va voir aussi. Mais j'ai bien aimé, en tout cas. Je sais pas ce que vous en avez pensé.